À des milliers de kilomètres au nord, sur les plages californiennes et mexicaines, des dizaines de milliers d'éléphants de mer du Nord viennent se reproduire. Les mâles passent des semaines à se battre en attendant l'arrivée des femelles. Ici, leur plus grand ennemi n'est pas l'un des leurs. Ces horribles blessures sont l'œuvre d'un autre mercenaire. Un cauchemar qui les épie à quelques mètres de la plage. Cette jeune retardataire nage seule en eau très dangereuse. Un énorme et sinistre prédateur se dirige aussi vers le site de reproduction des éléphants de mer. Un grand requin blanc. Seuls les adultes osent s'attaquer aux éléphants de mer. Cette femelle requin a 12 ans. Elle mesure 4,50 m et pèse presque 900 kg. La femelle est jeune et naïve et ne se doute pas un seul instant qu'elle est suivie. Le requin attaque sans prévenir par derrière et par en dessous et la tue d'un coup. Il attend ensuite que sa victime se vide de son sang. Puis revient réclamer son dû. Un autre grand requin blanc se joint au festin. De la malheureuse éléphante de mer, il ne reste plus que cette marée pourpre.